Conséquence de la tempête Zeus, un fort coup de vent a eu lieu cet après-midi sur l'agglomération lyonnaise avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Les pompiers ont effectué près de 250 sorties pour des arbres arrachés ou des toitures endommagées comme ici à Dardilly. Une rafale de vent qui a emporté en fait toute la toiture de mon voisin et qui est tombée donc chez moi. Je suis évidemment rapidement rentrée et j'ai prévenu ma voisine. Ce qui est le plus embêtant, c'est notamment les chutes d'arbres ou les chutes de branches d'arbres. Hein. Donc il y en a notamment deux interventions en cours. Une à Rieux-la-Pape qui menace un immeuble d'habitation, un autre arbre qui menace à Saint-Martin-en-Haut une maison de retraite. Hein, donc ça c'est des éléments embêtants. Également des morceaux d'arbres ou des branches sur un certain nombre de routes, dont trois qui sont fermées dans le département. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer pour l'instant. Le réseau SNCF a été aussi perturbé par le vent. Celui-ci devrait retomber dans la soirée. L'alerte est maintenue dans le Rhône jusqu'à 21h.